Salut les ploucs, j'espère que vous allez tous très bien. Comme vous le voyez à l'écran, il nous manque encore quelques games de placement pour justement être classé sur notre compte où on a recommencé R6 à 0. Pour le moment, 4 parties jouées pour 4 victoires, ce qui est très bien, on ne peut pas mieux faire. Et on a 2,2 de ratio, ce qui est plutôt bien. Donc aujourd'hui, on va être sérieux, on va pas trop faire de blagues. C'est rigolo. J'aurais essayé. Les amis, je vous souhaite une très bonne vidéo. N'oubliez pas le gros like. On est là pour casser le cul de l'algorithme. Je compte sur vous les mecs. Et puis voilà, bombardez-moi ces likes. Vous avez qu'à vous dire que c'est les tours jumelles. Bombardez-les! Je suis vraiment diabolique! Allez, bonne vidéo, les gars! Oh putain, 3 bonnes cartes! Non, pas frontière! Arrêtez de la bannir, les gars! Ouais! J'ai le karma avec moi! Yes! Ah, t'imagines pas, je suis content de jouer frontière! Ça me fait bander! Les amis, on va tryharder un petit peu. On va prendre un OP pour tryharder. Quoi? Non! J'en étais sûr. Un OP pour tryharder, voilà. Ça, je préfère. Avant qu'elle soit nerfée, les gars, profitez-en. Si on gagne toutes nos games de placement, on peut déjà être diamant. Je suis meilleur. En vrai, il nous reste que 6 games à gagner. Et qu'est-ce que c'est 6 games? C'est pas énorme. C'est comme ta bite. LeBron James. D'ailleurs, en vrai, les gars, ceux qui ont un petit sexe, ne vous en faites pas. Vous savez ce qui compte? C'est d'avoir une petite travailleuse. Vaut mieux avoir ça qu'une grosse feignante. Oh, je suis plus malin. 3v5, j'aime. J'aime pas. Oh, la vie de ma mère, les gars. Je pense qu'on est tombé sur des modos Discord. Mais c'est quoi ça? Ils ont l'air on fire. Oh. Ah. Enfin, ça prend pas de douche. Oh putain, et avec moi les mecs, y'a des Spider-Man. Qu'est-ce qu'ils foutent sur les toits? Ça va pas là? Putain, les gars! Y'a pas un opérateur qui lance du shampoing? Ça pourrait counter les modos Discord. Attends, en vrai, non, c'est la première game. Faut que je me concentre et que j'arrête de vous parler de Bengala. On met quoi? On met la cog ou pas? Allez, soyons fous. La Red Bull de la victoire. Oui, je suis le genre de mec. Je mets des pailles à mon Red Bull, moi je sais. T'as craqué ou quoi? Ah, faut les gagner ces games de placement. Si tu les gagnes pas, bah, y'a pas de diamant. Ouais, je sais. Après, tu connais, c'est la première game. La première game, les gars, elle pue toujours la merde. C'est comme quand tu feras ta première fois, elle sera éclatée. En vrai, tu veux une anecdote? Non. Putain, quand j'ai fait ma première fois, j'ai duré 2 minutes. Ouais, c'est pas beaucoup. Mais après, avec le temps, bah, c'est mieux, quoi. Tu passes à 2 minutes 20. Je suis meilleur! Faut qu'on joue en team, les gars, allez. Là, Ibana. Ah bah, Ibana est morte. Bien sûr, c'est le seul perso qu'il fallait pas mourir. Et elle est morte. Ouais, mes alliés, gros. Je sens que ça va être laborieux. En plus, c'est ma première, je suis pas chaud. Ah ouais, 1v4, mais vous êtes sérieux, les gars? Oh, c'est trop, là. Je suis pas en train de vous parler de Tropico, salut! Putain, j'ai pas pu tirer. Faut que je le fasse discrètement. Il me reste 40 secondes. La discrétion, c'est pas trop ça. Suce-moi la bite. Le diffuse. Il est où? Ah, ah. Ouais, pourquoi? Je suis pas mort? Oh, ils m'ont rushé. Des animaux, gros. Oh, les singes, ils sont sortis du zoo. Eh, les alliés, vas-y, on se sort les doigts du cul. On prend son doigt. Et on le sort de son fion, allez. Ils sont 4 en plus. Y'a que 4 modos Discord. On peut le faire. Regarde, ils votent pour abandonner les deux, là. Pourquoi? Non! Si t'as pas envie de jouer en classé, ne lance pas de classé! Ne viens pas pénaliser les gens, c'est bon! Ok, Jaeger sort ici, ça veut dire que les gars, il va revenir là. Gros, j'ai 150 balles qui t'attendent. T'as juste à bouger ton cul! Nique ta mère! Je suis meilleur! Je suis meilleur! Faut tout faire tout seul, les mecs, allez! Attention! On ramasse le diffuse, on va planter. Kifinka, pour t'as un peu plus de vie. Le dernier, je crois qu'il était sur l'autre site. Bien joué, ma couille! Ça, c'est bien! On a mis une manche au modo Discord. Regarde, il vote pour abandonner! Mais pourquoi? Pourquoi tu casses le bandit? Ah vas-y les gars, vas-y, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Oui, j'ai voulu le tuer, j'ai pas eu de shoot. Et alors, tu vas me juger? Niquez toute vos races! Espèce de chaperon rouge. En face, ils sont chauds les gars, ça met des grenades en dessous et tout. Ils sont pas là pour rigoler, ils sont là pour nous enculer. Ça me fait trop plaisir. Et ils ont bien raison, croyez-moi. Eh ben nous, t'as pas de recul sur R6. Ouais les gars, ça fait depuis le début du jeu que je joue. Forcément, ça aide un petit peu. Oh. Désolé, je suis égoïste, c'était pour moi le docteur, hein. Je m'en bats les couilles. Je vais te dégommer, Finca. Je suis désolé pour toi, je vais te punir. Je t'avais prévenu. Et un modo Discord en moins. Vous êtes une pute. Ça drone. Nomad, elle est dans le couloir, je crois. Ça aurait pu. Regarde, ils vont tous piquer les animaux. Oh putain, je me casse. Oh putain. Bien joué. Bah voilà, fallait pas abandonner, les gars. Ça te dit pas de jouer, frérot? Ça te dit pas d'aller poser tes bandits? M'en bats les couilles, hein. Et accessoirement de faire les murs là-bas? Ah putain, mais les mecs, les games de placement, faut pas être cardiaque. En plus, moi sur ce compte, j'ai pas Jaeger et j'ai encore moins Wamai. Donc regarde la tête de la compo, les mecs, c'est quoi ça? Même l'AS Saint-Etienne a une meilleure compo que cette putain de compo de merde qu'on a! Tu me fais de la peine. 5v2, mais bien joué! Mes alliés s'améliorent! Bien! Y'a Lyon qui est juste sur la droite, les gars. Je te pète les genoux. Ah bah y'a Lyon qui m'a tué les gars. C'est bien d'avoir l'info mais être performant pour le tuer c'est encore mieux. Et voilà j'ai piqué, on est en 3v2, ils vont perdre. A chaque fois que je meurs de toute façon on perd. Regarde 2v2 on va perdre, j'aurais jamais dû piquer, je suis un fils de pute. C'est moi. Et voilà 1v2 je vous l'ai dit. A chaque fois que je meurs mes alliés t'aident pas. 1v1, 1v1 des toutes une vie. Oui Capcom l'a tué. Et il vote pour abandonner ce fils de pute. Regarde le super kill que t'as fait, regarde ce magnifique kill, oui. Je comprends pas que l'autre handicapé il vote pour abandonner. C'est un putain de rageux, il meurt, il vote pour abandonner. Génial. Attends mais là c'est une pute. Pardon les gars. Rainbow Six, je pense que ça a atteint un petit peu
sur le cerveau. Et voilà, vous avez vu en fait la liste des opérateurs que j'en ai pas beaucoup. Tiens, prenons Alibi. Perso de merde, mais prenons-le. 5v3, putain! 5v2, mais les gars! Tout va bien. Qu'est-ce qui leur est arrivé à mes alliés? Ils se sont mis à cheater ou quoi? Bah, nous, on peut pas cheat sur PS5. C'est d'humour, ma couille. Détends-toi. Ah bah, les deux sont là-bas, les mecs. Il en reste plus qu'un, les gars. Je pense qu'on a gagné. Mais je pense pas, je suis sûr, j'ai rien glandé. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Pour une fois que je ne glande rien, les mecs. Allez, encore 5 parties, les mecs. On va essayer de toutes les faire aujourd'hui, ça va être compliqué. Mais on va essayer. Oh putain, le map pool. Ils vont bannir en face plein d'émeraudes. Pitié avec moi, bannissez ces Clubhouse. Ah bah non, après on va jouer sur Café. Elle sent le jambon. Oh, c'est les deux pires maps, Café et Clubhouse. Oh bah non. Mais putain. Mais pourquoi les gens bannent Fuse? Expliquez-moi pourquoi, les gars. Je veux comprendre. Pourquoi? Non. Putain, mais mon compte, il fait de la peine, il est pauvre, hein. Je suis le SDF le plus classe de France. On est parti, les mecs, pour encore une fois faire une victoire d'affilée. Depuis qu'on a commencé le compte à zéro, on a fait full victoire. Je peux le faire. Et je vous mens pas, hein. De toute manière, vous avez vu l'avancée de nos petites aventures sur ce compte. Et ça fait super plaisir que ça se passe bien. Et maintenant, tu vas voir que j'ai ouvert ma gueule. On va prendre que des 4-0. C'est le théorème de R6, les gars. Je vous souhaite un joyeux Noël, même si c'est pas Noël. Ah bah putain. Ouais, je suis en montagne derrière toi, ma couille. Y'a montagne, frérot. 1, 2, 3. Là, y'a plus montagne. Wouhou, il a volé. Ah, j'ai fait une double. J'aime bien. C'est pas le bouclier Black Ice, ça. C'est le Black Ice du de Wish. Ouais. Comment ça joue? Oh, sa mère. Petite triple kill. Pour commencer, c'est cool. Ça a sauté sur site, les gars. Enfin, le gars, vu qu'on est plus que deux. Tiens bon. J'arrive tout doucement, tel une petite souris. Enfin, je suis plutôt un rat. Le mec, il est sur la droite. Oh non, il m'a laissé en 1v2. Oh, comment tu sais que je suis là? Punition. Punition. Oh, la morale de cette histoire, faut jouer bandit. Parce que bandit, c'est la vie. Il m'a envoyé un message en face. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit nice keyboard. Bah ouais, frérot, nice. Nice keyboard, hein. Il est beau, mon clavier. Trou du cul de ta merve. C'est pas le pingouin qui glisse le plus loin, celui-là. Attends, en 2022, il y a quand même des gens qui me traitent de clavier. Alors que j'ai un shoot, les gars, il est pas oufissime, quoi. Ça se voit que je joue à la manette, regarde mes mains, comment elles sont mises. Si j'étais clavier, je serais comme ça, réfléchissez un peu. Oh là là, putain. Mais en vrai, je vous jure que c'est flatteur que quelqu'un te traite de clavier. Ça veut dire qu'il est trop fort, c'est très flatteur, ça flatte mon ego. Oh, j'ai trouvé la cousine à Gridlock. Pardon, concentration. Est-ce que tu me suis? Oh, j'ai été insolent. Je suis on fire, les gars, ça y est. La première game, elle était un peu rincée parce que j'étais en train de me chauffer, gros. Mais là, ça va. Oh, pardon, ça va mieux. Tu vas où? Oh, mais faut rentrer dans l'objet un jour. C'est quoi cette arme, les gars? C'est quoi ce viseur, sa mère? Wesh, il est plus grand que ma bite. Vraiment, l'objectif pour ce compte, ça serait de le monter direct diamant. Ça serait un très joli objectif à montagne, hein. On va l'appeler Colline dans quelques instants. Je sais pas s'il m'a cramé. J'ai pas l'impression. Montagne. T'es mort, regarde, Dembélé, je te fais les esquives. Oh, nique ta mère. Nique ta mère, Dembélé. J'ai toujours su que Mbappé était meilleur que toi, sale fraude. Putain. Là, il plante. Vas-y. Oui. Avoir des bons alliés, ça change la vie. Et vous savez quoi? Pour faire plaisir à tous les Knock Main de France, je pense qu'approximativement, vous devez être 4. Et ben, je vais vous faire plaisir. Bandé. Avec Madame Knock et son super voile. C'est plus la Silicon Valley, c'est la Silicon voilée. J'en ai marre d'être un goat comme ça, avec son filet de pêche là. Je me demande comment elle voit quelque chose. En vrai, Knock, elle pourrait être terriblement forte si Ubisoft la rendait, les gars, tout simplement insensible au piège. Ça me fait bander. Admettons, bim, t'actives sa compétence et tu marches sur un lésion, et t'es pas affecté. Ce serait un buff de ouf. Mais Ubisoft t'en pas envie. Ubisoft préfère mettre des grenades IEM. Ouais! C'est dommage en vrai, hein. Y'a tellement de choses à faire. Mettez-moi PDG d'Ubisoft et je vous sors un jeu, les gars. Une masterclass. J'entends un bruit. Wesh, elle se cache la foufoune. Je suis tellement déçu. Ah, c'est toi que j'entends! Et toi aussi! Vous êtes beaucoup! Un peu trop à mon goût! Oh, si cette grenade elle passe, les gars, regardez bien! Oh, eh bah non! Faut qu'elle tombe la grenade parce qu'il y a un gars, je sais qu'il est là! Ah bah non! Ah non, il est là! Ah ouais, en face! Il y en a deux là-dedans! Je pense qu'ils sont en train de foutre! Ah ouais, il est là! Mais j'ai cru que c'était un allié, wesh! Mais il avait le diffuseur sur sa tête, les gars! Il y avait un truc jaune! C'est pour ça que j'ai pas tiré, j'ai cru que c'était un allié! Bah voilà, j'ai pris Knock, je me suis fait baiser. Je vais plus chercher à vous faire plaisir. On va prendre Ace, les gars, quand même. Respectons-nous un petit peu. Faut pas se manger la ramantala. On n'est pas le PSG, les gars. C'est quoi ce truc sur le mur, là? Pourquoi il est rouge, le mur, comme ça, les frères? C'est quoi ça? Attends, faut que j'observe ce truc, là. Ah, mais c'est Castle Elite, d'accord. Putain, j'ai. Oh, de loin, j'ai pas capté ce que c'était. Vas-y, ouvre le castle, j'ai une ligne. Ah, mais y'a personne qui a la cover en bas! Putain, mais ils sont cons! Y'a fait un mec qui a 2 secondes, il l'avait, les gars! Faut croire que sur ce jeu, pour gagner, faut être cancer. Alors j'ai le choix entre Jackal, le renifleur de pied, et Finca, l'enculeuse professionnelle. Et moi? Je prends quoi? Je compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, c'était presque Finca. Prenons Finca alors. Et moi? Et tu verras qu'avec Finca, on va gagner. C'est le théorème de l'enculeur. Ah! Mais qu'est-ce qu'il fait là? Regarde comment il joue! Gros! Ta mère, c'est une pute! Putain!
Bon, on a quand même fini les mecs en 8 kills, ce qui est plutôt bien. Mais on a surtout fini cette putain de classée qui commence à me gonfler. Encore 4 parties. 4, c'est mieux. Ils sont longs mes doigts, c'est ce qu'elle me disait ma meuf. Elle a une bonne carte les gars. Oh, c'est un mob pool qui me convient. Vraiment j'aime bien. Je dois vraiment être scatophile. Ou peut-être que je suis quelqu'un de différent. Mais on va jouer sur Canal je pense les gars. Ah, j'ai parlé, ça va être parc d'attractions. Ah bah non, c'est plus Canal, c'est Anal. Je l'aime trop cette carte. Et nous sommes partis les gars. Maltaiser. Alors qu'est-ce qu'on va se prendre? La question, elle est très vite répondue. On va prendre Jackal. On va jouer Cancer aujourd'hui. Ah, pour affronter les modos Discord, c'est bien ce qu'il faut faire, hein. On va leur montrer qu'on est des bonhommes. Oh les gars, si on passe diamant, je me lâche une couille. Mais on est trop fort pour ça. On le sait d'office qu'on va le faire. On est trop fort. Oh, je suis à fond les gars. Ah, ils font les rotas, ça va bien jouer en face. Ah, forcément les mecs, il nous reste 4 games de placement. Là on doit être contre des P2, peut-être P1, je sais pas. Mais ça va chier. Toujours c'est un truc important, mais placez votre stuff. Vous avez 2 clés morts, c'est un truc de fou. Vous allez pouvoir cloisonner deux putains de fenêtres. C'est un truc de ouf les gars. Eh, Ben, pile ta mère. Oh mes alliés, ils sont chauds gros. Oh ils sont très chauds, 5v2. La vie de ma mère, je vous aime. Wesh. C'est quoi ça? Je suis tombé avec des modos Discord! Ils sont avec moi! Youpi! Oh, quand tu fais rien, gros, c'est trop bien! Et oubliez pas, moi je suis un retraité sur R6. J'ai commencé en 2014, sur la bêta. Même là, pas la bêta, l'alpha, les gars! Mais pas Roméo. Oh oh oh! Faut clairement que je prenne ma retraite, moi. Maintenant, c'est les petits jeunes qu'il faut qu'ils me carry. Oh, je suis un putain de. Un papy! Oh, oh! Ce qu'il m'a mis! Oh, son gameplay est palpitant, les gars! Oh, il doit vraiment s'amuser! What? Ah! Ah, ouais, là, c'est complicado, hein? C'est complicado de la pasta pino! Oh, y'a un gars, y'a un gars! Oh! Merde! Il est toujours là? Je vais te baiser, gros! Il est où? C'est Casper le fantôme! Je pourrais vous jurer que j'ai vu un mec! Soit c'est la vieillesse qui me joue des tours, ou alors soit je suis complètement con! Vous êtes complètement con! Oh, 4v1, mais c'est quoi mes alliés, gros? Oh, c'est des tueurs en série! Let's go! Et comme quoi, vous avez vu que même en solo, tu peux gagner des parties. Après, je dis ça, c'est pas encore gagné. Mais moi, je suis reparti de zéro, les gars. Non, 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 non! Oh non! Non, non, je suis droné! Vigile! Vas-y, vigile! Non! Ah, faut que j'arrête de rager, pardon. C'est R6 hein, qui me rend nerveux. Sinon, moi, je suis calme. Très, très calme. Qu'est-ce qu'il fout là, Kaïd? Je sais même pas si c'est ouvert, là, l'objo. Oh, c'est rentré rappel, la vie de ma mère. Elle est bizarre, cette partie. Elle est vraiment chelou. Je vois personne, en plus, les gars. Mais c'est quoi, ça? Oh, je veux faire des kills. Ah, mais les gars, je veux faire rien du tout. Oh, il ressemble à un poubellier, wesh. Oh, les skins sur R6. Ubisoft, ils sont plus performants à sortir des skins qu'à réparer les bugs de leur jeu. C'est réel. Attends, chacun ses priorités. Oula, oula, Fink à sa poche, attention. Ah, ça poche vraiment, attention. On va jouer mute pompe contact. Et ça, c'est plutôt bien. Il y a le diffuse au top, les gars. Là, ça prend le rappel. Dès qu'il rentre, on fait péter. Et c'est maintenant. Let's go. Quand on tryhard un petit peu, ça va mieux. J'aurais dû tryharder dès le début. Hein. Nous, on a le diffuse ici, frérot. C'est Maestro, le collègue avec moi. On est bien. On est vraiment très, très, très bien. Ouais, tu peux droner, Finca. Elle est là. Ah, elle a pas ramassé le diffuse. On a gagné. C'est bon, t'inquiète. Les gars, je prends le pompe au contact. Dès qu'elle vient, je la pompe. On va faire comme les prostituées. Pomper. Elle drone. Bah fallait pas. Eh ben encore une victoire les gars. Ouais. Wesh, qu'est-ce qu'il est moche. Transpire des chaussettes. Encore 3 petites games. On est sur le bon chemin. Ouais. Tu peux être sûr qu'ils vont bannir plein d'émeraudes, hein, comme d'hab. C'est quoi, j'enlève chalet, hein, dans le doute au cas où. Si j'ai des alliés un petit peu intelligents. Ah bah non, ils sont 3, hein, 3 connards. Et tu peux être sûr qu'on veut jouer sur chalet, regarde bien. Eh, c'était sûr. Putain, ça commence déjà. Mais c'était putain de sûr. C'est comme baiser une prostituée sans capote, t'es sûr d'avoir le sida. Pourquoi il a fait ça? Eh ben là c'est pareil, tu pouvais être sûr de jouer sur chalet. Mais il y en aura le cul, chalet. Je la vois plus que ma meuf. Ah, c'est trop, les gars, c'est trop. Ah, on va jouer Nock, tiens. Map de merde pour un genre de merde. Incroyable. Ne partons pas défaitiste. Pour l'instant, ce qu'on est en train de faire, c'est beau, les gars. Repartir de zéro et que ce soit la 7ème game d'affilée où on gagne, ou la 6ème ou 8ème, je sais plus, c'est vraiment beau. Il faut rien lâcher. Vas-y, mets un fuse, mon gros. Où est mon gros plein de soupe? Là, je te cover là-bas, t'inquiète. Ah, j'ai loupé. Non, 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 j'ai failli tomber. Attention, let's go, on se rattrape, Spider-Man, tu connais. Allez, on aura aidé Fuse un petit peu. Maintenant, c'est à nous de jouer. On active la compétence, on est un petit peu discret. J'ai bien dit un petit peu. Je vais t'enculer. Et on lui pèse sa grand-mère. J'aime beaucoup. Les games vont commencer à être compliqués. Hein. Aïe, aïe, aïe. Au bac, non? Ouais, 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 bien sûr. Termite, mon gros. On peut pas casser le mur. On va casser le cul de Jaeger, ça sera plus simple. Tranquille, tranquille. Écarte-toi, écarte-toi, écarte-toi. Et voilà, c'est bon. Je vais te droner. Juste pour avoir l'info sur le Jaeger, mon gars. Il est là. Non, il a pris un. Putain, il a pris un porn, ce plot. La vie de ma mère, il est mort par un porn. C'est pas possible. Tu peux pas mourir par un porn. Ah, va falloir arriver doucement. Doucement, mais sûrement. Let's go, les gars! Je retire tout ce que j'ai dit sur Nock! Mais t'es quand même nul à chier, salope. Reprenons là, les gars, on a fait le taf. Eh, je suis fier de nous. Enfin, plutôt de moi, parce que c'est pas vous qui jouez, bande de merde. Oh, fils de pute! Ta mère, c'est une pute! Vous aussi, vous êtes une pute. Le mec, il vise une échelle, il est content. Le gameplay est palpitant. Branlette. Le bac me fait affreusement peur. Eh ouais. Elle est pas morte, là? Non, dis-moi pas qu'elle est pas morte. Salope!
Les gars, je suis on fire avec Nox, ça m'a la pute. Allez, on y va tout doucement, tout doux. Regarde le fake drone, on va lui faire peur. Comme ça, il va casser le drone et j'aurai l'info. J'ai rien dit, les gars. C'est quoi ces putains d'alibi là? L'autre il plante, c'est génial. Attention, let's go. Allez, on est 3v2, les gars, on meurt pas. Hein. Ah, 2v2, j'ai dit on meurt pas, putain. Elle vise quoi là? Donc elle vise le mur. Ok, moi je vise ici alors. Oh putain, elle est morte la pute. Je vais me faire prendre un sandwich. Je suis un Big Mac, les gars. T'as mangé tes Big Mac? Non, je suis repéré. J'en profite pour dire que le Quick est meilleur que le McDo. Non, mais les gars, on est 3v2, on peut pas perdre. Putain, fils de pute. Sans déconner, vous déconnez. C'est pas possible, les gars, d'être en 3v2 et d'arriver à se la prendre. Ce n'est pas possible. À un moment donné, les doigts, c'est pas dans le cul qu'il faut les mettre. Faut les retirer du cul, justement. Voilà, 5v4, ça c'est très bien. Fils de pute, il m'a fait trop peur. Je vais commencer un peu à être tendu, les gars, ne faites pas attention. Hein. C'est que j'ai réellement envie de gagner. Et je sais que... J'ai fait de la merde, là. Il pouvait pas mettre un ping, le drone. Mais qu'est-ce qu'il fait à l'opposé de la map, lui, les gars? Si on est 1v4, là, et qu'on se la prend, je vous promets que j'arrête ma vidéo. Je l'arrête. Je vais l'arrêter. Faites toujours des rotas, soit à gauche, soit à droite, mais là de préférence, faites-la ici, elle est bien. Ou la faites-là, elle est impeccable. Mais attention à pas vous faire traverser cette fenêtre, hein. Donc c'est pour ça, ce mur, au pire, tu le renforces. Et au moins, t'es assez bien protégé. Après, là, bah techniquement, faudrait mettre un Jaeger, mais on n'a pas Jaeger. On a une compo, les gars, elle sent la mort, elle sent le cheval. Si on passe diamant, les mecs, vous mettez tous un gros like. J'espère que vous l'avez quand même mis avant. Ok, interrogation, bien joué, Kavera, ça. On va te travers d'en dessous, toi. Ah, la salope, elle est là. Je pense qu'elle est cuisine, les gars. Oh, le recul. Ah, j'ai pris les balles du doc. Mais pourquoi il me colle, hein? Il me bloque, les gars. T'es mal, il m'a bloqué. Mais mec, si on fait pas les cons, ça serait la dernière manche sur le charlet, les gars. Fin capateuse, je fuis, j'ai une pute. Je l'avoue, j'ai le mérite de l'avouer. Attention, 4v5, on fait pas les cons, les gars. Quand je sors mute pompe, c'est pour tryharder. Mais mort, bien sûr. 3v5. Oui, oui, oui. Nique ta mère. Ce pompe, il est magique. Oh, 2v4, oh non. Les gars, faites un effort. Je vais essayer de les backer, mais j'aurai pas le temps. Donc je ne back pas. Oh, je vais me faire soulever. Non. Oh, les gars, je suis un homme mort. Ah, je voulais partir, mais j'ai pas le temps. Là, tu es son pote. C'est rigolo. En fait, vous savez ce qu'il faut faire là? Faut juste faire l'open kill. L'open kill, c'est quoi? C'est le premier kill. Comme ça, après, t'es en 5v4 et gros, tu fais que camper. Tu te prends pour. Tu prends la tente décathlon. Décathlon et tu campes. Et des fois, l'open kill, ça passe avec un C4 de merde qui peut passer. Ah, et ben non. Dans votre gueule. Là, j'ai fait une grosse erreur de perdre un C4. S'il y a un but sur un montagne, tiens, je vais être content. Voilà. Là, l'open kill a été fait par Azami. Bien joué. Donc maintenant, on temporise, on pique plus. Et là, t'as forcément gagné, gros. Non, les gars, 4v4, c'est quoi ça? Comment il est tombé? Vigile là-bas, faut le sauver. Ah, voilà, 3v4, les mecs. C'est un effort. Je sais pas comment ils ont fait. Ah, y'a un mec là-bas maintenant. Ah, là, c'est mort. Pourquoi les alliés sont pas solides, les mecs? Pourquoi ils sont pas solides? Pourquoi ils sont pas solides, les alliés? Faut rattraper leur connerie et après se l'enculer. J'ai envie que t'as calme. Parce que je fais le bac pour rattraper la connerie de ce fils de pète de vigile et d'ailleurs je meurs. Nique ta mère! Putain, y'avait 3v1, ça fout les morts, gros. Faut jouer safe en fait, c'est tout. Safe. On vous demande pas de faire les héros, les gars. Jouez safe. On s'en fout de celui qui va finir en 15 kills. Vaut mieux finir en 0 kill et gagner la game. Non! Au revoir. Non! Comment il sait que je suis là? Seul chien de la case, moi! Je pensais que t'étais un mec bien. Faut mettre Jaeger, les gars! Wesh, c'est logique, c'est des trucs ça de 2015! Casse les couilles! T'as en gagné 3-1, les gars! Je suis tellement déçu! Ça me fout la haine! Mais non, mais comment tu peux mourir là-bas? Comment? La putain de ta merde! Je peux plus, les gars, j'en peux plus. C'est en train de me faire serrer, gros. T'es mort dans les sapins, grosse merde. Allez, vas-y, on se prend une moins d'eau en l'espace de 2 secondes. C'est bon, on a perdu. C'est trop, les gars. C'est trop. Y'a un mec, attention, Maverick, y'a un mec. Mira va l'enculer. Oh, il l'a eu, bien joué. Je te remets un ping, gros. Vas-y. Bon, on sait que Mira, elle est à terre, les gars. C'est une bonne chose, ça. Let's go, on peut le faire. 3v2. Ah, on le fera jamais. J'ai fait tout ce que je pouvais, les mecs. Ah, nique ta mère, vas-y. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu vas mourir. Oh, c'est trop, mais c'est trop, c'est beaucoup trop. T'es nul. Casse les couilles. Allez, encore 2 games, les gars, pour espérer de diamant. Je sais pas si on peut, avec 9 victoires, admettons. On va voir ça, hein. Oh non, s'il vous plaît. Oh, les gars, pas chaler encore. Oh non, je vais faire un infarctus, là. C'est trop, les gars, c'est beaucoup trop, là. Putain. C'est toujours les mêmes cartes, en fait, qu'on joue. C'est pour ça qu'à un moment donné, on est lassé, quoi. Autrement dit, tu vois, là, je reste un petit peu poli. Aujourd'hui, on a décidé de garder notre calme. Mais c'est pour ça que ça casse les couilles. Ça te donne pas envie de jouer, en fait. C'est de la logique. C'est comme si tu baisses tous les jours. Au bout d'un moment, t'en as marre. Bon, peut-être pas, c'est pas le bon exemple. Mais tu as capté l'idée. Elle est pas si nulle que ça, Nock, les gars. J'ai bien dit pas si nulle. C'est quoi ça? Ah bah oui, Capcom, bien évidemment. Oh, j'ai failli lui mettre. C'est qui elle diffuse là-bas? Ok, je vais te droner, ma couille. Attends, je vais être ton pote. Car je te mets un ping ici pour te mettre Valkyrie. Il y a un mec, il est au bac, putain. Vas-y, les gars, faut la tuer, Valkyrie. Je vous ai mis un ping, putain. Les gars! Et ils sont à chier, mes alliés. Va planter. Putain, oh, mais les temps de réaction qu'ils ont. Et faut que je m'occupe de mes alliés que je meurs! Je vous jure, je meurs parce que je regarde ce qu'il fait! Et un V1, il va se la prendre! Oui!
Merci. Quand vous avez un diffuse en fait, vous allez pas chercher à prendre le kill. Tu vas planter en fait, c'est de la logique. C'est comme quand tu vas baiser une prostituée, le réflexe c'est de mettre une capote. Et bah là c'est pareil, t'as le diffuse, le réflexe c'est d'aller planter, safe bien sûr. Et non, moi je meurs en fait parce que je m'occupe de mes alliés. Ok, il vient d'ouvrir un castle, c'est une bonne chose ça. Ça veut dire que castle va justement le remettre, donc vite. Faut que je casse le sien celui-là. Allez, dépêche-toi. Allez. Mais putain. Encore plus long, la grenade a explosé, la sale pute de grenade. Ah, en fait c'est en train de me faire rager les gars, je vous jure. J'ai vraiment envie de gagner et d'être diamant. Ça serait un très bel objectif, je l'ai vu au fond. Je passerai pas ici, je vais pas avoir d'aide, ça ne sert à rien. Je veux bien être le meilleur joueur de la play, mais j'ai quand même mes limites les amis. Oh putain, faudrait casser cette trappe là. Oh, comment il est mort le frérot là-bas? Il doit y avoir un mec au top, je vais le chercher. Ouais ouais, il est là. Ah, venez que t'es mort. Allez les gars, s'il vous plaît. T'as le diffuse à une minute là-bas, mais tu fais quoi? Putain, mais à quoi il joue? Mais je meurs encore parce que je regarde ce qu'il fait. Je vais péter un câble. Mais regarde, il ouvre le mur à 30 secondes, les mecs. Mais c'est pas possible. Frérot, il reste 3 secondes. Allô, tente quelque chose. Voilà, l'autre il prend la cover. C'est bien joué, ouais, bien ça. Oui, tu l'as vu. Ça le plot, tu l'as vu. Oui. Ils rendent fous, ces alliés. Vas-y. Oh, mais gros, même ma grand-mère, elle a plus de choses que toi. Allez. On va la perdre, les gars. C'est bon, on a perdu. Dis ta mère, la pute. C'est trop, ce jeu, c'est trop. C'est trop, en fait, d'avoir des alliés qui savent pas jouer. Tu sais pas jouer R6, pourquoi tu joues avec moi? Moi, je sais jouer un minimum. Pourquoi je joue avec des mecs qui jouent avec leurs pieds ou avec leur cul? Ça me saoule d'être violent, en plus, parce que moi, en vrai, je suis calme, très calme. Et pour que je joue knock, les gars, c'est qu'il y a un problème. Je suis mort deux fois parce que je regarde ce qu'ils sont en train de faire, les alliés. En fait, les gars, c'est des assistés. Ils savent rien faire tout seuls. Bah, tu sais quoi, la tête de ma mère, je m'en bats les couilles. Je vais comme sur Call of Duty. Je vais chercher à faire que des kills, voilà. Sans me soucier de ce qu'ils font, ces fils de pute d'alliés. Enfin, t'as toujours des modos Discord. Et avec toi, gros, c'est des gens qui jouent avec leur cul. C'est trop, je vous jure, c'est trop. Allez, 4v5, voilà. Faut pas trop leur en demander, bien sûr, hein. Ah, quand tu leur en demandes trop, les gars, c'est trop pour eux. Je vous jure, c'est affolant comme ce jeu, il fout la mort. Là, je l'entends à gauche, le mec. Et je l'attends, voilà. Là, je sais qu'il y en a un à droite. Qu'est-ce que je fais? Je time une grenade pour essayer de l'avoir. Si je l'ai pas, c'est pas grave. Au back. Il y en a trop, les gars, il y en a deux. Mais sauvez-moi, ils servent à quoi les deux là? Tu pouvais les avoir. Ils étaient en face de la fenêtre sur Twitch là, mais. Putain, mais c'est pas possible, les gars, c'est un sketch. Putain, mais il reste 20 secondes, mais qu'est-ce qu'il fait en rappel? Mais je suis tombé avec les pires joueurs de Rainbow Six aujourd'hui. Ils jouent sans ratio, les gars. Mais ils drone alors qu'il reste 10 secondes. Mais y'a de quoi péter un câble. Ta mère, c'est la reine des putes. Comme ça. Mais regarde-le comme il est nul. J'ai jamais vu un joueur aussi nul. Même un cuivre, il est plus fort. Regarde le mode Discord, il fait un trou. Lui, il est intelligent, le mode Discord. Il est trop fort. Et ah, j'en ai marre. C'est trop, la tête de moi, c'est trop. C'est pas possible d'arriver à ce stade du jeu, que les mecs soient platine, parce qu'ils sont platine avec moi. J'ai gagné 7 games, donc automatiquement, c'est forcément des platines. C'est pas possible que ça joue comme ça. Ou alors je me ramasse des platines boostées, en fait. Je vois pas d'autre explication, en fait, les gars, là. Je dois me ramasser les pires joueurs d'R6. C'est des gens qui sont pas à leur grade. Vous avez capté ou pas ce que je veux dire, les frères? Et c'est pas de la mauvaise foi. Y'a que les vrais de Rainbow Six, là, les vrais joueurs, qui comprennent ce que je veux dire. Y'a Inosa, les frères. Si elle est pas bête, elle a mis une clé mort. Eh, je m'en bats les couilles, je tente. Est-ce qu'il y a un mec là avant? Non, pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis con? Parce que t'es con! Je joue avec des brels, faut pas que je sois aussi une brel. Faut que je sois intelligent. Vite, faut que je récupère des Thunderbirds. Vite, c'est bien, tu t'es rendu utile. Bravo ça. J'en reprends un. Merci, au moins tu fais le taf avec tes compétences, c'est déjà bien. Non, mais s'il vous plaît, regardez comment il place ses capcans, les gars. À un moment donné, comment vous avez envie de gagner dans ces conditions? Là, c'est en train de me foutre les morts. Pourtant, je veux toujours de la bonne humeur, les gars, d'habitude. Mais là, c'est fatigant, en fait. Il y a un pig, il s'est cogné la Libye. Voilà, putain, c'est pas compliqué, les gars. Bien joué. Putain. Pour notre santé mentale, faut pas jouer en solo sur R6. Hein. Putain. 3v3, allez, je reviens sur site, les frères. 3v2, bien joué, les alliés. Je crois qu'ils m'ont entendu, en fait. J'ai tellement ragé dans le micro. 3v1, c'est bien. Allez, est-ce qu'on peut être animé? Je ne sais pas. Vas-y, reviens dans l'objo. Et je viens te palper tes grosses couilles. Allez, c'est parti, ma couille. 2v1, c'est à nous de faire le travail maintenant. Ah bah non, c'est à moi. Let's go, allez. C'est pas compliqué. Logique. Mais ça rend zinzin, hein, ce jeu, hein. Au moins, ça vous sert d'exemple. Si vous avez envie de monter diamant tout seul, bah libre à vous, vous êtes des bonhommes. Mais après, libre à vous de vous ramasser des cotorèbes d'alliés. Ah oui, libre à vous aussi, hein, bien évidemment. Non mais là, c'est incroyable, hein, le niveau des alliés, j'ai jamais vu ça en 50 jeux. Non, putain, on est en 5v3. Comment on peut être en 3v3 d'un coup? Et un fus rappel, vas-y, je le laisse tranquille, fils de pute, il a failli m'avoir. Voilà, 3v2, mais comment y a des gens qui peuvent mourir d'un coup, les gars? Il y a des choses que je comprendrai jamais. C'est sur site, les gars. Il y a le batteuse, même pas je le tente, gros. Regarde, il presse son bouton R2, il est là, il tire, il s'arrête pas. Ah bah nique ta mère. Ah c'est bon, le dernier, on sait que c'est un fus, les gars, même pas faut le piquer. Tranquille, on a gagné. Sauf si on pique. Eh bah voilà, les gars, ça c'est bien. Allez, plus qu'une partie. Oh les gars, j'ai perdu 4 kilos avec cette cassée. Encore une seule, c'est parti. Bon, du coup, les gars, ça sera la dernière partie. J'espère qu'elle va bien se passer. On va jouer sur Frontières ou sur Parc d'Attractions. Moi, ça me va. Frontières, je vous avouerai que j'aurai une petite préférence. Et bien évidemment, le carrément pour me faire chier, ça sera Parc d'Attractions. Mais je l'aime bien quand même. T'as voulu me niquer? Eh ben, je suis pas niqué.
Et celle-là, faut vraiment la gagner, les mecs. Honnêtement, je pense que c'est la pire session que j'ai pu faire, les gars. Même si on a gagné quasiment toutes nos games et qu'on en a perdu une seule, ce qui est un très bon ratio, je suis honnête avec vous. Le fait d'avoir des alliés de merde qui méritent même pas d'être dans le grade platine, ça me rend fou. Regarde, c'est 2 minutes 30, on a déjà perdu un maestro. Tu m'expliques comment il est mort, maestro? Je veux comprendre comment. Ce n'est pas possible d'avoir un maestro et d'être mort à 2 minutes 30. Et toi, comment t'es mort? T'es mort à la fenêtre, je présume. Y a même pas les rotations, d'accord? Alors qu'il y a maestro, Thunderbird et Kavera qui ont des boulettes, ça fait 3 agents. Ah ouais, d'accord, pas de rota, rien. Eh ben, je vais gaspiller un C4, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, c'est parti! Ah voilà, on pète un câble quand on joue en solo sur R6 les mecs, hein, mais genre vraiment, repéré par le scanner, attention, que je me fasse pas timer une grenade, et bah oui. Ah là ça m'a fait rager, j'étais content hein, au début, hein. J'étais super content de vous la faire la vidéo, mais après ça fait rager quoi. Tu tombes sur des nullards qui te gâchent ton expérience de jeu, c'est dommage. Et que voulez-vous, c'est comme ça, hein, c'est le but de R6, quand tu joues en solo, bah t'es destiné à te faire péter le fion. Ah, wesh, l'a pas pris les gars. Oh ça me choque. Oh la tête de moi ça me choque, il est pas pris comme ça là. N'empêche en face y'a un mec il a rage quit donc on n'a pas le droit de perdre. Mais là j'ai plus envie de jouer, vraiment ça m'a dégoûté. Le jeu m'a dégoûté. Faut mettre combien de balles les gars aujourd'hui? Oh 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 oh. Putain j'en peux plus, j'en ai marre. Arrête de me tirer dessus. La putain de ta sœur la pute. Faut que je joue ta chanka les mecs, c'est vraiment que j'en ai ras le cul là. Mais vous savez ce qui me casse les couilles les gars? C'est d'avoir perdu la première game sur chalet qu'on devait gagner là. Où on gagnait 3-1 et qu'on s'est fait remonter avec ces fils de pute d'alliés de merde là. La tête de moi ça me casse les couilles. Parce que j'aurais eu 10 games de placement de gagner. Et ça je l'ai jamais fait sur R6. Et en plus là j'aurais pu le faire mais tout seul et ça aurait été le top. Et non il a fallu que mes alliés ne sachent pas jouer. Pourquoi il casse les barblés lui? Mais la vie de ma mère les gars, vas-y mais je joue avec des gens bizarres. Il m'a vu? Je sais pas s'il m'a vu. On va dire que non. Oh, j'ai failli l'avoir. Allez, je me casse. Le feu fait ton effet. Et let's go. En fait, faut jouer safe sur R6. Mais c'est tellement simple ce jeu, les gars. Là, j'étais lance-grenade. Je sais qu'il y a un montagne en face. Le lance-grenade, il va tellement être utile. Faut juste en fait jouer de manière safe. Au lieu de toujours vouloir faire des kills tout le temps, encore et encore. Voilà, bien joué, les gars. C'est ça qu'on veut. Allez, 3-0, les gars. C'est la fin. Je suis libéré. Délivré. Je ne jouerai plus jamais à R6. En solo. Sur un nouveau compte. Enfin, je dis ça. La saison prochaine, bah, je vais le refaire, hein, bien sûr. Oh, il est sur site Maverick ce fou malade. J'aime bien les alliés quand ils sont fous comme ça. Oh, j'ai pas vu les trous par terre. Là, c'est moi qui ai fait le plot pour le coup, là. Bien, oh, Maverick, c'est le sang. Bien joué, ma couille. Je suis tombé sur un PGM et notre classement, les gars. Wesh, c'est quoi ce délire? Pourquoi on est que platine 2, là? C'est quoi cette douille monumentale, les mecs? Wesh, j'ai gagné toutes mes games. Enfin, j'en ai perdu qu'une seule. C'est de la merde, j'aurais dû être diamant, wesh. Ah, vas-y, je me fais enculer tous les jours. Salut les ploucs, c'est bon, moi j'en ai ras le cul, je vais aller me laver, là, parce que... Oh, je pue. Salut les ploucs, allez prendre une douche aussi.